à tous et bonjour à toutes. Ce n'est pas votre indicatif habituel, je sais, mais c'est un indicatif ce matin un petit peu particulier, puisque d'habitude, l'indicatif, c'est quant à l'accordéon, une composition de Christian Pechel et de Jossoni, mais ce matin, c'est toujours une composition de Christian Pechel qui s'appelle, mon cher Mathieu, En revenant de noces. En revenant de noces. Alors c'est sûr que ce matin, on n'est pas à la noce, c'est certain. Émission un petit peu spéciale, puisque nous avons été convoqués par notre ami Bernard Rual, qui va nous expliquer un petit peu le fond de sa pensée tout à l'heure. Et puis nous sommes filmés, alors là il faut... Nous sommes filmés par nos amis de Mélodirama. Et puis notre ami Didier, donc le technicien de Radio Vassivière, qui a fait le trajet de Royer jusqu'ici, à Chamboré, puisque nous sommes à Chamboré, qui a fait le chemin, et puis qui est là derrière sa petite console, et puis qui va vous rendre une émission nickel, ça j'en suis certain. Voilà, j'ai tout dit là jusqu'à présent. Alors je vais me retourner par celui qui a eu l'initiative, disons, qui a tenu à marquer... puisque son gala n'a pas lieu, malheureusement, je vous l'avais annoncé depuis longtemps, mais il s'est dit dans sa petite tête, je vais quand même faire un petit truc, et ce petit truc, c'est ce matin, c'est aujourd'hui, et puis nous sommes là, dans cette magnifique salle des fêtes de Chamboré, où tu vas nous expliquer, Bernard, un petit peu le pourquoi de cette manifestation ce matin. Ben tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Chamboré. Tu l'as dit, dans cette très belle salle, hein, toute construite en bois, qui est magnifique. Ça me fait plaisir. Voilà, je crois. Ben, ici, et la Corrèze, c'est vraiment une terre qui est très boisée. Et puis, on a aussi à Chamboré une maison de l'arbre et un arboretum de 20 hectares. Donc, c'est assez cohérent. Tout cela. Donc, effectivement, très, très heureux de vous accueillir ici pour marquer le coup, malgré l'abandon et le report de ce festival d'accordéon, ce 15e festival d'accordéon à Chamboré, donc à l'année prochaine, pour les raisons que vous connaissez, crise sanitaire, crise culturelle, enfin bon, voilà, donc les choses ne s'arrangent pas. Donc, je pense qu'on avait pris une bonne décision au mois de mai-juin, que de reporter ce festival. Donc la programmation était bien ficelée, bien sûr, mais elle sera d'actualité l'année prochaine, en espérant que ça puisse se faire. Il faut croiser les doigts. Bon, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est pas sûr, mais on espère que ça sera possible. Donc l'idée, c'était de marquer le coup. En plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre ami Christian Pechel. D'ailleurs, je salue son frère qui est là et son fils Eric. Et donc, avec mes amis Mathieu Martini et Rémi Salard, que je remercie d'être venu jusqu'à Chamboré aussi, on va lui rendre un petit hommage bien mérité. Voilà, et une grande pensée, et s'il nous voit de là-haut, à notre ami Christian. Et puis, je remercie tous mes musiciens qui sont là, avec Sébastien Salès à la guitare, Alain Carrara à la batterie et Patrice Fleury au clavier, sans oublier, bien sûr, Mélodirama et... patron, Monsieur Petit, qui aussi s'est proposé pour filmer cette émission Radio Vassivière, voilà, et qui passera sur YouTube, la chaîne YouTube, dimanche. Voilà. Donc, merci à vous tous. C'est sympa de venir parce que je le vis comme un soutien. Voilà. Merci à tous. Je laisse place à la musique. C'est encore le mieux. Je vois que Mathieu, ça te démange un petit peu les doigts. Je vois que tu tapotes sur ton clavier. Hein. Oui, ça me démange d'autant plus qu'on va rendre hommage à un très joli village de la Corrèze qui s'appelle Corrèze, avec la première composition de Christian Pechel. Exact. Qui s'appelle Corrèze, mon village. Qu'il avait composé avec Robert Monédière. Je t'assure. Ah bon, que non. Alors bon. Avec Jean Séguerel et avec Roland Manoury. Ah, voilà. Robert n'y était pas dans le coup? Je ne sais pas. On vérifiera. Toujours est-il que le morceau existe. Voilà. Et que vous allez nous l'interpréter. C'est la toute première composition de Christian. Je pense que c'est important aujourd'hui de commencer par celle-là. Ça marche. Dans le pèlerin de tes verres feuillages, on se sent si bien, et devant
les façades des vieilles maisons. Nos braves gens se racontent sans façon, tu dis qu'en dira-t-on comme un feuilleton. Ce sera toujours ainsi, car on vit si bien ici, Corrèze, c'est mon pays. Corrèze, mon village, dans tes vieilles rues, tu as gardé l'image d'un temps révolu. À l'ombre de l'église, quand j'étais enfant, je me revois souvenir émouvant, jouant cheveux au vent à des jeux innocents. Tu n'as pas changé depuis, si paisible ta vie, Corrèze mon pays. Mon village, tu n'as pas perdu le jour du pèlerinage, ta foi, ta vertu. Et près de la chapelle du pont du salut, je viens prier la madone dorée pour que soient exaucés les plus pieux. Tu resteras pour la vie mon village chéri, Corrèze mon pays. Eh bien, pour vous, ce matin, spécialement pour vous, messieurs, dames, à l'accordéon, Rémi Salard, là-bas, dans le coin, Rémi Salard, Mathieu Martini et Bernard Rual, qui nous accueillent dans sa magnifique commune dont il est maire, il faut quand même le préciser, dont il est maire, la commune de Chamboré. Voilà. On va poursuivre, si tu le veux bien, avec une composition de Christian Péchel, de Georges Guillaudet, mais aussi de Bernard Rual. La chanson est magnifique. J'espère qu'on va la réussir, mais Rémi la maîtrise parfaitement bien. Ça s'appelle Le messager du bonheur. C'est le parallèle un petit peu entre la vie de Christian et la vie de Jean Séguerel. Ça s'appelle Le messager du bonheur, donc Georges Guillaudet, Christian Péchel et Bernard Rual. Tu en as cité trois. Bien, pour vous, monsieur, dames, ce matin spécialement, Rémi Salard, Mathieu Martini et Bernard Rual. Si les gens se rappellent de tes plus jolies chansons, tes bergers, tes pastorelles, Séguerel, c'était ton nom. Tout petit, j'apprenais la musique sur un vieux micro-sillon. À t'entendre, tout semblait magique au son de l'accordéon. J'écoutais d'un quatuor tout au chant,
de lumière, les refrains de mes parents. De Chaumeil aux quatre coins de France, dans la croisée des danseurs, toi l'ami d'idole de mon enfance, le messager du bonheur. L'Acadie retour au champ. Bon Maria et la belle lumière, les refrains de mes parents. Tout le pays est en fête et nous allons saluer. Toi l'artiste, le poète, Ségurel, le bien-aimé. Tes amis venus du bout du monde, ce soir vont se retrouver. Faut entraîner dans la grande ronde de tous tes plus beaux succès. Je jouerai bruyère corrière, la Cathy retour au champ. Oh Maria et la belle lumière, les refrains de mes parents. De Chaumeil aux quatre coins de France, t'en as croisé des lanceurs, toi les mini-doles de mon enfance, le messager du bonheur. Je jouerai bruyère corrézienne, la Cathie retour au champ. Oh Maria et la belle meulière, les refrains de mes parents. C'est vrai, excellente composition, très très belle composition de Christian Péchel, ouais. Le messager du c'est bonheur. Que vous avez fait, que vous avez chanté à deux. Bravo à tous les trois. Ouais. Très joli. Très alors c'était le micro-sillon que je cherchais. Ah, le micro-sillon. Voilà. Ah, bah, c'est le mot qu'avait choisi Georges pour parler du Tépaz et du... D'accord. Bon, alors mes amis, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur les ondes de Roidière Vassivière avec le 88.6 et le 92.3. Mais ce matin, bah, c'est vrai, une émission un petit peu spéciale, puisqu'en plus, vous êtes derrière votre poste de radio à la maison, dans le canapé, bien tranquillement. Mais nous bossons, et nos amis de Mélodirama qui sont là avec leur caméra, et puis que vous pourriez retrouver, les amis de Mélodirama, c'est des Corréziens finalement. Ils sont à Saint-Clément, à côté de Tulle. Alors, j'invite justement ces gens-là, que je ne connais pas bien, à venir nous rendre visite un jour, un samedi matin, dans nos studios d'Aigleton, et on fera plus amplement connaissance. D'accord, monsieur Petit ? Oui. Tout à fait d'accord, dit-il. Eh bien, voilà. Alors, avant de continuer un petit peu dans l'esprit Christian Péchel au cours de cette émission, je voudrais quand même retourner encore une fois vers Bernard Ruhal. Alors, c'est vrai que Bernard, le samedi qui précède le grand festival de Chamboré, tu viens en direct à Aigleton à la radio pour jouer un petit peu d'accordéon, mais également pour nous présenter ce gala. Oui. C'est vrai que c'est une habitude. Hein. Tous les ans, c'est la même chose. C'était une tradition. Une tradition, voilà. Là, donc, bien sûr, le gala est annulé. Donc, on ne parle pas de venir. C'est nous qui sommes venus à toi. C'est ça. Mais je te demande à chaque fois un petit peu l'évolution de ce gala et tu peux peut-être en deux mots nous rafraîchir un petit peu la mémoire, parce que il y a 15 ans, vous étiez parti d'une journée, c'est et ça. Maintenant c'est une semaine pratiquement. C'est ça, oui, il y a 15 ans, on avait commencé avec une soirée, un hommage à Marcel Vial, qui était déjà décédé, qu'on avait organisé dans un gymnase au village vacances des Roches-de-Sus, sur la commune de Chamboré, un vendredi soir. Et après, on avait des difficultés, enfin c'était même un samedi soir je crois, après on avait des difficultés pour avoir quelques musiciens le samedi, donc on était passé au vendredi, et puis on a vu que ça marchait très fort, et donc avec mon ami Jean-Paul Pouget, on avait décidé de peut-être ramener ce festival d'accordéon, enfin ce gala d'accordéon en plein cœur de Chamboré, donc on avait réfléchi à un nouveau dispositif. Mais donc il fallait, parce que donc c'était en fait, l'idée c'était de monter des chapiteaux sur le champ de foire, mais sur une soirée c'était pas, enfin le modèle économique, c'était pas rentable. Donc rapidement on a un petit peu
développer ce gala d'accordéon en rajoutant une journée, puis deux, puis trois, puis on arrive effectivement à une semaine complète puisqu'on commence le mardi dans l'EHPAD. Après, le mercredi, il y a une animation avec l'école. Après, il y a aussi un concert dans l'église le jeudi, etc. Il y a des visites de territoire qui sont organisées par l'Office de tourisme Terre de Corrèze. Donc en fait, c'est devenu un produit touristique. Sans vouloir le faire, finalement, les gens viennent ici pour une semaine. Il y a 56 départements qui étaient représentés l'année dernière. Combien de camping-cars, Bernard, en moyenne ? Plus de 200. Voilà, il y a 56 départements étaient représentés l'année dernière ici à Chamberet, donc ça vient un peu de toute la France, et on a frôlé les 6000 entrées au total sur ce festival d'accordéon. Donc j'espère que ce Covid n'arrêtera pas ce festival. J'espère qu'on pourra repartir et avoir un niveau similaire aux années passées. Quoi. Tu sais, Bernard, il faut le prendre avec humour. Vous n'avez pas eu idée, là, les musiciens, de faire une petite marche, quoi, je sais pas, la marche du Covid ou un truc comme ça, tu vois ? Non, ça vous est pas venu à l'esprit ? Maintenant, c'est bon. L'idée, c'est moi, et après, c'est vous qui mettez en œuvre. Quoi, voilà, si je comprends bien. C'est ça. Ouais, ok, ça marche. J'aurais quelques petits droits d'auteur, peut-être, si ça marche bien. Hein. Alors, on avait aussi, on avait repris le Grand Prix Jean Sigurel, fut un temps aussi, pendant 3-4 ans. Les vendredis soirs. Qu'on vendredis appelait soir, le trophée Jean Sigurel, voilà. Et là, c'était un petit peu compliqué pour avoir des chansons de qualité. On était quand même confronté à ce problème-là avec le jury. Je me rappelle, il y avait Georges Guyonnet qui participait, Sébastien Farge, Serge Larnaudy. Donc, on manquait un petit peu de matière et donc on a préféré passer sur autre chose. Et donc, on a un peu cette capacité d'innover, comme aujourd'hui, cette émission. D'évoluer, absolument. Et d'évoluer. Ouais. Et donc, on est passé sur une soirée plutôt thématique. Voilà, on avait fait une soirée Auvergne, Thivet, Ségurel, Monédière, etc. Et ça marche très bien également. Toi, tu as tenu à faire aujourd'hui cette manifestation, ce matin, là. Tu as tenu à faire ça le week-end où avait lieu... Ah oui, ouais, exactement. Tu tenais à cette date. Voilà, exactement. Normalement, aujourd'hui, commençait la grande soirée Nuit Ségurel. Voilà. Et oui, nous sommes vendredi. Oui. Voilà. Exact. Et puis donc demain matin, donc sur les ondes de Radio Vassivière, vous pourrez écouter cette émission. Et puis donc, je le répète encore, parce qu'il faut faire quand même de la pub. Ça fait partie de la com, ça, tu vois, nos amis de Mélodirama. Donc oui, sur Internet, sur melodirama.fr. C'est bien ça, mon cher ami. Voilà. On continue, musique. Parce que si je me mets à parler, tu me connais, hein. Il faut que je me freine un petit peu. On va jouer. Bon. Simplement, je te dois la vérité. Tu avais raison, dans Corrèze mon village, il y a bien Robert Monédière. Voilà. Merci, monsieur Martini. Pendant demi-heure, mais tu merci, avais raison, monsieur voilà. Martini. Très bien. Je connais mes classiques quand même. Je te propose de prendre la route des Monédières. La route des Monédières. Ouais. Sur la route des Monédières. Alors là, il y a Bernard, il y a Christian Péchel, il y a Georges Guyonnet. Et toujours une composition de Christian Péchel. Bien sûr. Excellent. Très grand mélodiste. On en reparlera tout à l'heure. Bagages, le ciel de Paris, tous mes rêves d'enfant sage. Je me souviens les bras car je t'avais promis qu'un jour tu partagerais ma vie. C'est la route que je préfère quand je reviens au pays. Elle me conduit vers tes bruyères en plein cœur des Monédières. Elle sent le foin et la fougère, longe
gorges, les bois, les ruisseaux, les croix, toutes les chaumières, le vent donne le tempo, la route des mobilières, tu seras la paix du troupeau. De la capitale à Saint-Augustin, bois la pierre de long voyage. J'ai pris la direction du Limousin, il fallait bien forcer le destin. La route que je préfère, quand je reviens au pays, elle me conduit vers tes bruyères, en plein cœur de mes monnières. Elle sent le foin et la fougère, longe les bois, les ruisseaux, les croix, toutes les chaumières, le vent donne le tempo. La route des monnières, tu seras la prix du troupeau. Voilà, voilà, merci les musiciens, merci Mathieu. Dis-moi, les musicaux derrière là, il faut pas les oublier. Merci Sébastien Salès à la guitare, Alain Carrara à la batterie, mais il faut pas l'oublier non plus, et David Fleury au clavier. Voilà, ben ils sont là quand même, parce que sans eux, mes enfants, ça serait un peu vide derrière, n'est-ce pas? Voilà. Alors, tu veux faire un boléro? Oui. Un boléro de... De Christian Véchel, de Georges Guyonnet. Il doit y avoir peut-être aussi Michaud dans l'affaire. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle « Ce soir, j'ai envie de t'aimer ». C'est pas à toi que je parle, bien sûr. Mais ça, tu l'avais compris. Bon, alors, rendez-vous à la coda, comme disait l'autre. Hein. Ben, je vous laisse. Je vous laisse, mes enfants. C'est un petit bistrot, un souvenir d'ado, où tout a commencé. C'est un premier regard, comme un coup du hasard, croisant nos destinées. C'est le ciel de Paris, au printemps de nos vies, un jour moi je t'ai rencontré. Je t'ai fait le serment, de vivre très longtemps, et plus encore à tes côtés. Ce soir j'ai envie de t'aimer, de sentir ta peau, tes baisers, de pouvoir encore une fois te serrer très fort auprès de mes bras. Ce soir j'ai besoin de tes yeux comme d'un vrai trésor amoureux. Je voudrais te dire, reste là, on ne t'en va pas.
C'est un square à métro, entre la terre et l'eau, dans l'île de la cité. Nous deux mains dans la main, en sifflant ce refrain, les chansons d'été. L'année d'été 20 ans, emportée par le vent, tu m'as dit ton plus beau secret. La scène à nos pieds, nous nous sommes jurés de ne jamais nous séparer. Oui, ce soir j'ai envie de t'aimer, de sentir ta peau, tes baisers, de pouvoir encore une fois de te serrer très fort entre mes bras. Ce soir j'ai besoin de tes yeux comme d'un vrai trésor d'amour. Je voudrais te dire, reste là, non, ne t'en va pas. Puis ce soir j'ai envie de t'aimer, de sentir ta peau, te baiser, de pouvoir encore une fois te serrer très fort au creux de mes bras. Ce soir j'ai besoin de tes yeux comme d'un vrai trésor amoureux. Je voudrais te dire, reste là, non, ne t'en va pas. Merci messieurs, peut-être un des plus jolis morceaux de Christian Pechel, c'est vrai. Et je suis sûr que dans les chaumières, il y en a qui ont dit « Ce soir, j'ai envie de t'aimer ». Il faut prendre les devants, tu vois. Il y en a pas mal qui ont dit « Bon ». Bref, mais ça ne nous regarde pas. Je sais que tu sais. Bon, dis-moi, avant de parler de Christian, parce que là, j'en connais, sur Christian Pechel, j'en connais un rayon. Hein. J'étais son premier guitariste en 67 ou 8. Donc, tu vois. Je ne pensais même pas que tu étais né en 67. Oui, mais tu vois. Alors, je peux te dire une chose, que là, j'en connais un rayon. De quoi écrire un livre sur Christian, son papa, etc. Bon, bref. Mais avant d'attaquer là-dessus, je voudrais quand même te poser la question, Mathieu, enfin à tous les trois, avec le problème qui se pose actuellement, avec le problème Covid, le problème de sanitaire, et problème qui pose des problèmes, justement, à tous ces gens dont c'est la profession et qui se manifestent dans l'été dansant et dans les j'avoue que c'est pas évident. Donc avoir rapidement ton avis, ouais. Et tu parles au nom de tes collègues ou peut-être Rémi nous dira ce qu'il en pense également, je ne sais pas. Très rapidement, effectivement, bon, Bernard l'a dit dans son propos introductif, tu l'as redit. On est complètement à l'arrêt. Voilà. On a souhaité d'ailleurs alerter les pouvoirs publics sur notre situation particulière à l'intérieur du bal populaire, parce que c'est vraiment une niche spécifique dans laquelle on est, mais elle est hyper importante en milieu rural parce qu'on apporte, on va dire, on apporte du bonheur. On est un peu des marchands de bonheur avec beaucoup d'humilité. Si, le terme est juste. Hein, oui. Mais oui, on a ce rôle social aussi dans nos campagnes, parce que pour certains, c'était la seule sortie du week-end. Donc, mais on va essayer de se mobiliser, d'alerter et de tenir bon. Heureusement qu'on commence pas l'activité juste maintenant. On existe un peu, donc on a un peu de réserve, mais il faut pas que ça dure un an de plus, quoi. Voilà. Puis vous avez Alors trouvé que, quelques petits dérivatifs pour les uns les autres. Oui, mais bon, ça pèse. Ça fait pas tout. Très très peu, quoi. Voilà, c'est clair. Et alors pour vous musiciens et puis également pour tous vos accompagnateurs. C'est précisément la même chose pour eux. Pareil. C'est pareil, dans la même galère. Voilà. Merci d'avoir bien voulu en parler. Je pense que toutes les émissions que je fais le samedi matin, suivant mes invités, j'en parle. Je leur pose la question parce que je pense que c'est un sujet d'actualité. Il faut bien se rendre à l'évidence. Et moi, je crois qu'on ne peut pas faire d'émission sans en toucher un mot, quoi, puisque ça nous touche directement, ça vous touche directement. Les gens qui nous écoutent, ça les touche directement aussi. Ces gens qui sont derrière leur poste de radio ce matin et puis qui d'habitude sortent le samedi. Enfin, pas trop le samedi, plutôt l'été dansant, c'est plutôt le dimanche après-midi. Mais c'est vrai que c'est réellement un problème. Et je pense que vous serez peut-être un peu dans les derniers, mon cher Bernard, à recommencer. Malheureusement, c'est à moins qu'on trouve autre chose, mais je ne vois pas quoi.
On continue pour la musique ou allez. On te propose Le Temps des Gabariers, succès d'Altero Betti, tu le connais. Alors Altero Betti, ben oui, alors je voulais en parler, tout, mais tu prends les devances. Ça va très bien. Tu me devances, oui, parce que Altero a eu 100 ans le 2 avril 2020. Donc il navigue tranquillement avec sa gabarre, il navigue tranquillement sur les eaux de la Dordogne, il navigue vers ses 101 ans. Alors, la grande manifestation à Aigleton organisée par Accordéon à Monédière avait décidé de rendre hommage à Altero. Bien sûr, comme toutes les manifestations, ce grand gala dansant n'a pas pu avoir lieu. Et on ne sait pas s'il aura lieu au mois d'avril prochain. Voilà. Donc, toujours est-il que Altero, il s'en parle. Altero, il est en pleine forme. Il faut dire la vérité. Ça va, pour 101 ans, il est... On l'a vu la semaine dernière, voilà. Mais Rémi le voit très souvent. Mais tu le vois souvent, Rémi, ouais. Oui, c'est un voisin, puisque Spontour, c'est pas très loin de Saint-Privat, donc on a eu effectivement la chance d'y aller encore la semaine dernière avec quelques collègues, dont Mathieu, pour lui amener justement le cadeau qui avait été fait par Denis Salès pour son anniversaire. Et il était très heureux de nous voir et de chausser son accordéon pour jouer quelques notes avec nous. Donc c'est toujours un plaisir. Il a joué un petit peu ? Oui, il a joué avec nous. Ah, quand même ? Les doigts sont pas trop un petit peu ? Il a chanté une chanson qui a beaucoup plu à Mathieu. Mathieu va la mettre à son répertoire. C'est vrai ? Oui, enfin, je suis en train d'y travailler. C'est laquelle ? Ah, alors voilà, ça y est, là on rentre dans les secrets, dans les petits... Ouais, d'accord. Tu diras ça tout à l'heure. Tu ne veux pas le dire au micro, mais tu me le diras quand même. Je ne me souviens pas trop. Je connais bien le répertoire d'Altero. Je connais bien aussi. Donc vous avez, alors on lui rend hommage avec cette chance, ce grand succès. Donc Le Temps des Gabariers, c'est ce que vous voulez faire. Hein. Roland Manoury pour les paroles. Bah oui. Altero Betti, Henri-Jacques Dupuis pour le reste. Je me trompe ? Tu as dit que j'étais parfait ? C'est bien. J'aime bien entendre que je suis parfait. Il ne faut pas généraliser. T'es parfait sur Le Temps des Gabariers. Ah bon, d'accord. Ah bon. Bon. On en parlera hors antenne, on en parlera de tout ça. Allez, je vous laisse à vos bonnes œuvres, mes enfants. En ce temps-là, notre belle rivière coulait gaiement sous les ponts de chez nous. On aimait tant regarder son eau claire reflet d'argent dansant sur les cailloux. Je me souviens, on chargeait des gabarres à ce ponteau au pied de notre maison. Les fiers lurons en larguant les amarres nous guident en chant. C'était le temps des gabariers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qu'ils conduisaient du haut pays jusqu'en bas. C'est Gascogne, le beau voyage en vérité, entre les bois, dans les gorges profondes, le beau voyage au fil de l'eau. Autant les gars. Thank you.
qui disait que l'eau était marchande. Le moment était venu de partir. Il dit déjà de Marie ou Fernand, en leur disant qu'ils allaient revenir. Les échalas chargés sur les gabarres, ils s'en allaient au fil des hautes eaux. Pendant trois jours et sans lâcher la barre, ils voguaient vers Bordeaux. C'était le temps des gabarrés, ils descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qu'ils conduisaient. Du haut pays jusqu'en bas, c'est Gascogne, le beau voyage. On évitait entre les bois, dans les gorges profondes, le beau voyage au fil de l'ombre. Autant les gars, le beau voyage au fil de l'ombre. Autant merci, merci, mille fois merci, monsieur Betty, d'avoir composé un jour un si joli morceau. Voilà. Rémi, eh oui, mais c'est toi, mais je vois bien, mais tu es un petit peu loin là. Voilà. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu, puisque je donne un petit peu la parole à tous, c'est un petit peu normal. Tu es accordéoniste, excellent accordéoniste, je pèse mes mots en disant ça, mais également, ce que les gens peut-être savent moins, excellent pédagogue. Pédagogue dans la mesure où tu donnes des cours d'accordéon chromatique et diatonique à Ussel, à Aigleton, à Tulle aussi, non je... À Tulle aussi, au conservatoire. Alors, explique-nous un petit peu tout ça. J'interviens depuis de nombreuses années sur la Haute-Corrèze déjà. J'ai commencé à Ussel. Ensuite, j'ai intégré Aigleton. Et puis maintenant Tulle, donc effectivement je fais les deux, l'accordéon chromatique et l'accordéon diatonique. Tout à l'heure on parlait de périodes difficiles pour le bal. On peut dire aussi que pour les cours, les conservatoires d'une manière générale en France connaissent une légère baisse de fréquentation parce que il y a l'aspect financier, l'aspect peur du virus. Donc on peut dire aussi que là il y a une période compliquée, même si on peut dire aussi qu'en Corrèze, on n'est pas trop touché, en tout cas dans le domaine de l'accordéon, parce qu'on a toujours du monde qui souhaite apprendre ce bel instrument, puisqu'on est quand même le pays de l'accordéon. Donc on a toujours la chance d'avoir beaucoup d'élèves. Moi, j'en ai une soixantaine cette année, donc ça marche bien. Oui. Mais tant que l'accordéon aura des chantres comme toi pour défendre l'instrument, il n'y a pas de problème. Rémi, au total, combien d'élèves au total ? Moi, il ne le sait même pas. Moi, je te dis, j'en ai une soixantaine cette année. Donc, voilà. Entre Ussel, Aigleton et Tulle. Voilà. Oui. Une soixantaine. Mais c'est des cours individuels, donc ça remplit bien les semaines. Ça remplit bien les semaines. Bernard, on va passer un petit peu, si tu veux, sur la deuxième partie donc, de cette matinée, un hommage à Christian Péchel. Alors, je le redis, puisque Christian, s'il y a quelqu'un dont je peux parler... C'est Christian. Et alors, sur Christian Péchel, je peux écrire un livre. Tu entends bien, Mathieu ? Un livre entier. Alors, pas deux tomes, mais un seul tome, mais 360 pages sans problème. Parce que alors là, j'ai les anecdotes, j'en ai un paquet. Et c'est vrai qu'en 68, je pense, j'ai fait partie de l'orchestre de Christian Péchel en tant que guitariste et chanteur également. Et je me rappelle que notre premier bal, ça avait été à l'hôtel Saint-François à Guéret. Tu vois, j'ai des souvenirs comme ça. Et alors là, je pourrais en parler longtemps. Donc Christian nous a quittés, malheureusement. Il était le parrain de notre radio, là, de Radio Chardon-Aigleton. Il venait régulièrement, donc... alors, un caractère, Christian, tout le monde le sait, un caractère, un cœur en or. Je pourrais en parler longtemps, mais ce matin, donc, vous êtes là, les enfants, pour jouer de ces morceaux, parce que Christian reste un mélodiste hors pair. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. On écoute un morceau... On dit, mais ça c'est du Péchel, automatiquement. Rien qu'en entendant la musique, tu vois, il y avait une marque, une griffe. Et Christian est là, Christian nous a quittés. Christian de là-haut, peut-être, nous écoute. Et toujours est-il qu'on lui rend hommage ce matin. Merci à son fils d'être là, à son frère également d'être venu. C'est un petit peu spécial, disons. Mais c'est Christian, aujourd'hui, aurait... 71 aujourd'hui,
Voilà. Et donc, et il est décédé il y aura dans 3 ou 4 jours. Ça sera l'anniversaire de son décès. C'est ça, voilà. Bon, mes enfants, du Pêchel, alors. On va continuer sur un succès de Christian Pêchel. C'est une java qui rend hommage à un haut lieu de la danse qui malheureusement est terminé, mais il y en avait comme ça beaucoup, des dancings dans tout le département. On parle de Sheila Marissou à Chambolive. À Chambolive, voilà. La Marissou. À Chambolive. Alors il paraît que c'était un haut lieu, effectivement. C'est vrai. Qu'elle, c'était un personnage tout à fait hors du commun, qu'elle faisait un peu tout, y compris le service de sécurité quand il y avait besoin. Et moi, j'ai joué avec Christian à Chambolive chez la Marissou. Et donc, oui, c'était tous les dimanches de Pâques, dimanche ou lundi, j'ai un petit doute que Jean Séguerel allait faire danser chez la Marissou. La chanson en parle, et d'ailleurs, dans la chanson, ça doit être tous les dimanches de Pâques. Voilà. Mes enfants, je vous laisse à vos bonnes œuvres. C'est ça. Donc, c'est Georges Guyonnet, c'est Bernard Ruel, et bien sûr, Christian Pêchel pour la mélodie. J'ai revu Fredo qui m'a rappelé nos souvenirs de jeunesse. À pied, à vélo, quand on s'en allait, on avait le cœur en fête. Rien n'était plus grand, rien n'était plus beau que des rêves plein la tête. On courait des filles qui savaient nous résister. C'était en famille qu'au ballon se retrouvait. Tous les dimanches de Pâques, on dansait chez Marissou. Nous, on mettait la cravate pour aller au rendez-vous. De Corrèze à Chambolive, de Tulle à Saint-Augustin, fallait que jeunesse vive, comme le disaient les anciens. Oui, les dimanches de Pâques, chez la Marissou, c'était bien. Restaurant fermé, les rideaux tirés, seule ma mémoire vagabonde. Une histoire passée, peut-être oubliée, entre les heures et les secondes. C'était un petit bal comme un carnaval qui a fait le tour du monde. Disparu les filles qui pouvaient nous résister. Ce soir en famille, ensemble on va raconter. Tous les dimanches de Pâques, on dansait chez Marissou. Et nous on mettait la cravate pour aller au rendez-vous. De Corrèze à Chambolive, de Tulle à Saint-Augustin, fallait que jeunesse vive, comme le disaient les anciens. Oui, les dimanches de Pâques, chez la Marissou c'était bien. Voilà, chez la Marissou à Chambolive. À Chambolive, comme on dit. Hein. Voilà, pour vous, mesdames, ce matin, spécialement 3 accordéonistes, Rémi Salard, Mathieu Martini et Bernard Ruel. Alors j'ai remarqué, Bernard, que Rémi fait la deuxième voix, chante également très bien, il accompagne Mathieu, mais toi, je ne te vois pas chanter, mon ami Bernard. Ça t'est jamais arrivé? Tu veux pas qu'il neige aujourd'hui? Ouais, mais peut-être la neige est pas loin, va savoir. Non, mais là, je ne suis pas du tout de taille avec ces deux. Il a neigé à Chambéry. Non, chacun à sa place. Il m'arrive de chanter. Tu chantes sous la douche de temps en temps. Voilà, et vous avez vu, je n'ai pas chanté du tout de l'été, donc il n'a pas plu.
Mais dès que j'ai chanté, après, ben voilà, est arrivé ce déluge. Mais il en fallait, il fallait un peu d'eau, tu le sais très bien, pour la nature, un petit peu pour bon tout. C'était bon pour les sapins de Monsieur Guy Boissac. Oh, surtout jamais de nom. Qu'est-ce que tu vas dire là ? Bon, allez, soyons sérieux, mes enfants. On n'est pas là pour pleurer quand même. On est même Christian là-haut qui nous écoute, parce que Dieu sait qu'il a rigolé, Christian, et il doit rigoler encore en nous voyant faire les clowns là. Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie, et puis on ne changera rien, voilà. Alors je rappelle quand même, messieurs, il faut quand même le dire, que ce matin, au point de vue audio, enfin au point de vue radio, vous êtes bien sur les ondes de Radio Vassivière, on est OK, avec le, c'est marqué là-bas, le 88.6, ça c'est pour les Creusois et les Auviennois, le 92.3, ce sont pour les Corréziens qui... oui, aux Corréziens, allez, aux Corréziens, puisque ça s'arrête un petit peu à Aigleton, puis ça se... c'est un petit peu... voilà. Et puis ce matin, donc, comme nous sommes en direct de Chambéry, c'est notre ami Didier de Radio Vassivière qui est descendu, qui a tout son petit matos, là. Et puis il a le casque, il a le masque, il a tout ce qu'il faut. Didier, il est super équipé. Et puis c'est lui qui régit tout ça. Cette émission que vous pourrez écouter donc demain, puisque, allez, on va pas tricher, il faut pas tricher. Ne téléphonez pas ce matin, c'est pas la peine. Hein. Mais demain, vous pourrez téléphoner en nous disant, c'est bien, quelqu'un vous répondra. Puisque l'émission de demain, vous écouterez ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis il y aura vos rubriques habituelles, donc sur Radio Vassivière. Les émissions qui vous sont présentées par l'équipe de Radio Chardon à Aigleton avec la matinale, la célèbre matinale maintenant, Good Morning Ventadour, voilà. Tu es d'accord mon petit Bernard ? Voilà. Bon, les musiciens, où c'est qu'on va maintenant ? Où c'est que vous nous emmenez là ? On t'amène à la rue des Sans Soucis. Je ne sais pas s'il y en a une à Chambéry, mais... Oui. C'est encore une composition de Christian, bien sûr, avec Thierry Bonnefous et Georges Guyonnet. Et c'est parti. Le tango, la java. Viens, viens ma belle, comme deux amoureux. Ce soir ensemble, nous serons heureux. Il sera chouette, ce jour de fête. Dans les mirettes de tes yeux bleus, Marie Père Manche, ta carte blanche. Pour un dimanche si merveilleux, un bistrot, une station de métro, assis au bar près du comptoir. Un copain, un pote, un musicien, aux doigts de fée joue un refrain. Et dans la nuit s'envole une chanson que reprend en cœur son accordéon. Viens, viens ma belle,
ici, pas un rebelle, on est entre amis. Ici la porte n'est jamais fermée, il y a toujours quelqu'un pour t'inviter. Viens, viens ma belle, l'heure est arrivée. Et si j'insiste, ne sois pas vexé. Il sera chouette ce jour de fête dans les mirettes de tes yeux bleus. Marie Père Manche, ta carte blanche pour un dimanche si merveilleux. Chanté par notre ami Rémi Salard. Alors je veux vous faire une confidence quand même. Personnellement, j'aimerais beaucoup habiter rue Sans Souci. On revient à Christian Péchel. Alors j'ai quelques souvenirs comme ça qui me passent par la tête, mais là, souvenir, c'est pas très vieux, ça remonte à 4-5 ans à peu près. Au cours du grand gala organisé à Aigleton par Accordéon à Monédière, justement, il y avait présents donc sur la scène, enfin qui sont passés sur la scène, disons, il y avait notre ami Rémi Salard ici présent, il y avait Christian Péchel lui-même, et puis il y avait également Sébastien Farge. Alors j'ai eu une petite idée comme ça, et puis ça a été pour moi personnellement un grand moment d'accordéon, un très grand moment d'accordéon, puisque je savais que Rémi la connaissait puisqu'il l'avait enregistré sur un CD. Christian Péchel, lui, avec notre ami Sébastien Farge, voilà, Sébastien Farge, donc, ont composé le morceau. Et ce morceau, ça s'appelle « Des limousettes ». Alors, je les ai appelés un par un, Sébastien, oh, là, d'accord, Christian, tu es là, d'accord, très bien, et Rémi, donc, s'est mis là-bas, ils étaient trois. Et je dis maintenant, pour tout le monde, vous allez nous interpréter « Des limousettes ». Et « Des limousettes », ben, c'est la valse swing, c'est la valse que personnellement j'aime bien, je le dis à chaque fois, c'est un petit peu mon... Et je vais demander là tout de suite, donc toujours en pensant à Christian, c'est de proposer à Rémi justement de nous interpréter ce morceau. Voilà. Tu es prêt mon Rémi? Tu la connais, tu l'as pas oublié? Hein? Alors c'est parti.
s'appelle Des Limousettes, composition donc de Sébastien Farchi, Christian Péchel, et interprétée pour vous ce matin, messieurs, dames, par Rémi Salard. Et c'était bien envoyé, mon cher Rémi. Voilà, comme merci, j'aime merci. Bien, comme j'aime bien, comme j'aime bien. Bon, alors où ils sont passés, là, les accordéonistes? Ben oui, bon, c'est vrai que Rémi était tout seul, vous la connaissez pas, celle-là. C'est un autre style, c'est autre chose. Vraiment, vraiment accordéoniste, là. Oui, mais comme quoi, tu vois, comme quoi notre ami Christian était capable de tout faire. Tout faire. Vous n'avez pas quelques anecdotes là, sur Christian, quand même, à nous proposer? Pour ce qui me concerne, ce serait difficile de raconter quoi que ce soit sans être ébahi par l'émotion, parce qu'on a partagé plein de choses, parce que je lui dois beaucoup. Je lui dois, par exemple, d'être entré à la SACEM, et juste après, si tu le veux bien, je jouerai le premier morceau qu'il m'a offert avec Georges, qui s'appelle Un Titi Corésien. Donc non, j'ai rien de spécial à révéler, simplement dire qu'il me manque tous les jours. Tu as parlé de son caractère. En même temps que le caractère, il faut parler de son extrême sensibilité. Voilà, je connais par cœur. Il était capable d'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour chanter une mélodie, pour me la jouer trois fois. Enfin voilà, il ne se passe pas une journée sans que je pense à lui. En plus, il est couché à 10 mètres de mon père, au cimetière de Corrèze. Donc voilà, je pense à eux voilà, tous les jours, je te l'ai dit. Ouais, merci Mathieu. Allez, un petit icône. Alors tu vois, Christian, il a fait gaffe. Il a composé une chanson pour moi. Il savait que j'étais pas capable de mettre autant de notes que Rémi. Donc il a fait une chanson beaucoup plus simple, où il y a vachement moins de notes. Non mais ça, c'est important, parce que il faut que la chanson soit jouée par beaucoup aussi, si vous voulez qu'elle ait un grand chemin. Ce soir, j'ai envie de t'aimer, c'est facile à jouer, j'ai pu me l'attribuer. Tu vois ce que je veux dire? Des Limousettes, il y a beaucoup de choses. Ah non, mais c'est autre chose. C'est un style tout à fait différent. Qui vont être capables de la faire tourner dans le bal musette, mais un Titi Corésien, c'est jouable. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on va faire. Un Titi Corésien? Et qui c'est le Titi dans l'histoire? C'est moi, puisque Georges. C'est ce que je voulais te faire dire. Ça fait un beau Titi de 100 kilos. Hein. Il faut que le chêne soit solide. Ok, ça marche. Allez. Un titi, un corésien, moi dont on dit qu'elle bout en train. J'ai l'air coquin, un peu frondeur, c'est vrai que j'aime bien la fête. J'anime des balles, je suis musicien, un peu partout j'ai des copains. Mais quelle chance, depuis l'enfance, je suis un titi corésien. Moi dont on dit qu'elle vous tentera. J'ai l'air coquin, un peu frondeur. J'ai vu que j'aime bien la fête. J'anime des balles, je suis musicien. Un peu partout j'ai des copains. Mais quelle chance, depuis l'enfance, je suis un titi corésien. Mais quelle chance, depuis l'enfance, je suis un titi corésien. Je pense que nous sommes tous des titi corésiens. Vous êtes mis d'accord? Vous êtes Allez, puisqu'on est dans les morceaux de Christian, il y en a un qui marche très très bien toujours dans les balles. Il s'appelle De Séville à Venise. J'adore. On va essayer de le faire. J'adore. En ré majeur. Et donc on est parti pour ce très beau morceau qui marche très fort dans les balles. Parce que c'est joli. C'est une valse fandango, exactement.
N'est-ce pas, Rémi? Je vais essayer de t'aider un petit peu en chantant, mais si c'est trop haut, j'arrêterai. Demain le cœur en fête, je pars pour l'Italie. J'ai des refrains plein la tête, dans ma quête de poète. Je suis resté fidèle aux grands airs d'autrefois. La musique m'interpelle, immortelle, la Scala. D'Andalousie, je suivrai le chemin qui conduit au pays de mes rêves. Sans un retard dans le petit matin, je mettrai mon ami d'Arlequin. De Séville à Venise, d'Espagne en Italie, le soleil dans mes valises, heure exquise, fait son lit. L'Espagne en Italie, sur la route qui m'entraîne, incertaine, vers modèle. Et là je m'y annuisa, pour Venise au sang chaud, deviendra la signorita, bellissima, amoroso. À l'Alcazar, je prendrai rendez-vous, Bettina, sans doute. Des corridas au son du flamenco, du vent de la Sierra Oriente. De Séville à Venise, d'Espagne en Italie, le soleil dans mes valises, heure exquise, c'est son lit. Sans un retard dans le petit matin, je mettrai mon ami l'Arlequin. De Séville à Venise, d'Espagne en Italie, le soleil dans mes valises, heure exquise. Séville à Venise, ça aurait pu s'intituler de Royère à Chamboré. Tu sais, c'est la même chose. Alors dis-moi Mathieu, je me tourne un petit peu vers toi parce que tu es au milieu là finalement, et puis il y a Bernard quand même qui est là. Moi, je pense qu'on pourrait aussi parler et évoquer un monsieur qui vous a mis un petit peu le virus, disons, le virus de l'accordéon, c'est Jean Ségurel. Et qui a mis également le virus dans la peau de Christian Péchel. Parce que quand Christian te raconte qu'à 12 ans, il montait voir le papa Ségurel, enfin bon, toute l'histoire. Donc finalement, à la base de tout ça, c'est Jean Ségurel. Tout à Alors, fait. Alors, vas-y, dis Bernard. Je partage tout à fait ce que tu dis. Jean Ségurel, pour nous tous, a été une référence. Et je pense que, enfin, si on a un accordéon aujourd'hui dans les bras, c'est certainement... grâce à lui, puisqu'on a tous entendu des disques de Jean Ségurel, et puis qui nous sont vraiment interpellés. Surtout toi, le Breton. Voilà. Jean Ségurel vendait des disques partout en France.
Mais Bernard ne serait pas ici, enfin, je pense qu'on peut dire ça, si Jean Séguerel n'avait pas existé. Tout à fait exact. Tout à fait exact. Tout à fait, absolument. Voilà. T'as tout dit. On ne va pas rappeler l'histoire, mais alors, c'est vrai, tes parents qui venaient en vacances, etc. Oui, oui, à Chomeil, oui, oui, oui. Jean Séguerel qui faisait du tourisme avant l'heure. Aujourd'hui, on fait beaucoup pour essayer de, d'accueillir des personnes nouvelles, notamment dans le tourisme et tout ça. Mais Jean Séguerel, avec ses propres moyens, avec ses propres deniers, faisait du tourisme déjà à l'époque, avant l'heure, avant tout le monde. Avec, eh bien, c'est lui, c'est grâce à lui si Chomeil est bien équipé avec son étang. Il avait fait un étang, c'était pour les autres, pour les gens. C'est lui qui a participé à financer tous les aménagements du bourg de Chomeil. Le bourg tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Jean Séguerel. Il avait un parc dans son jardin où tout le monde pouvait venir. Exact. Donc Jean Séguerel, vraiment, c'était... Dis donc, et le bol d'or qui était gratuit. Et bien sûr, ouvert à tout le monde, voilà. Gratuitement. Et voilà, et payer les avec coureurs, tous les grands noms. Ah ben absolument. Exactement. Donc Jean Séguerel, c'était vraiment un personnage extraordinaire, extraordinaire, avec un cœur en or. Et il avait. Alors j'ai entendu l'autre jour, mais bon, certainement vous le savez, mais il était surnommé parfois Q carré. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'était plutôt Robert, je pense. C'était plutôt Robert Monédière. Ah, c'était Séguerel. Je pense, non. Séguerel aussi, également, ouais. Oui. Voilà. Oui, mais oui, oui, oui. Mais oui. C'était vraiment Séguerel. Et pourquoi? Parce que pendant le bal, il allait récupérer la caisse et il mettait toujours dans ses poches arrière, comme ça. Alors, si bien que ça faisait. Ah d'accord, toi je ne connaissais pas. Un peu rectangulaire. Oui, 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 oui. Okay, voilà. Okay. Ben, j'ai appris ça l'autre jour par notre ami trompettiste Alain Penaud aussi, qui l'avait bien côtoyé et qui m'avait parlé de ça. Merde, Saint-Germain-les-Vers, notre ami Penaud, on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. Oui. Sachant qu'on peut nous écouter sur Internet, ceux qui ne captent pas les ondes de Radio Vassivière peuvent nous écouter sur Internet. Moi j'ai des copains un petit peu partout, à Paris, à Nîmes notamment, qui nous écoutent sur Internet tous les samedis matins. Voilà. Alors en parlant de Séguerel, vous allez nous interpréter. Vous ne connaissez pas de morceaux de Séguerel, hein, les gars? Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein, oui. Par contre, on connaît un peu. Oui, un petit peu. J'aimerais bien que tu l'écoutes attentivement parce que vraiment c'est une réussite de Séguerel, de Christian Péchel qui parle. De Jean Séguerel, ça s'appelle À la Séguerel. À la Séguerel, oui. Voilà, ça c'est une jolie chanson. Oui, je connais le morceau aussi. Allez, également. Ouais. Je m'en doutais. Allez. Il prenait son accordéon, quand ses doigts caressaient les boutons, c'est comme du courant qui passe, on ne pouvait pas y résister. Il avait sa façon bien à lui de jouer les vieux airs du pays, et au rythme d'une contrebasse s'envoler les valses et les bourrées. Moi je l'entends encore aujourd'hui, comme autrefois dans les Monédières, dans les balles d'Auvergne ou de Paris. Il fit s'effacer tous nos soucis, le clavier de son accordéon fit être les plus jolies chansons, refrains devenus aujourd'hui immortels, que l'on joue à la Séguerel.
Voilà, c'est un hommage à Ségurel d'ailleurs. Et puis ça, c'est joué un petit peu dans le style Ségurel, voilà. Mais je voudrais quand même, parce que nous on ne va pas tarder à se quitter avec l'équipe de Royer-Vassivière. On ne va pas tarder à se quitter puisqu'on a des impératifs pour rendre notre antenne. Mais ce matin c'est un petit peu spécial, il y a deux casquettes. Il y a l'émission de Radio Vassivière et nos amis de Mélodirama, donc qui filment et qui enregistrent cette émission. Mathieu, on a parlé de Ségurel. Je voudrais, moi, pour les gens qui nous écoutent, un morceau de Ségurel. Avec toi, Maria, cette valse ensoleillée et souvenir d'amour. Je revois l'instant si doux, tous deux, assis sur le vieux banc de pierre. Du sentiment, notre bouillette, je me suis mis à genoux quand on fait une prière. À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Oh Maria, quand je danse avec toi, Maria, cette valse sans soleil et souvenir d'amour. Allez.
Laisse-moi te parler d'amour, te raconter mon plus beau souvenir, loti dans mes rêves d'enfant. C'était l'année de mes 15 ans, quand se lavait les tons ciel bleu. Vous étiez toute ma richesse, un paradis si merveilleux qui a bercé ma jeunesse. J'étais le plus heureux. Oui, c'est vers toi que je reviens chanter encore. Et la belle Corsica, oui, je t'adore. Tu es l'étoile qui brille nuit et jour. Et la belle Corsica, c'est pour toujours. Quand le soleil brûle en été sur la plage de mes vacances, comme une éternité devant gonfle la voile du bateau blanc, il reste vivant tes oiseaux, messagers portés par les vagues, autant de milliers de cadeaux planant par-dessus les vagues pour se livrer dans l'eau. Oui, c'est vers toi que je reviens chanter encore. Elle avait la Corsica. Toi le qui brille nuit et jour, et la belle Corsica, c'est pour toujours. Oh belle, belle Corsica. Tout ça, c'est de l'impro, hein. C'est de l'impro. Je vais remercier quand même Mathieu Martini, ici présent, Rémi Salard, ici présent, Bernard Rual, ici présent, qui a eu la riche idée donc, d'organiser cette matinée, j'allais dire dansante, non pas dansante, mais matinée d'accordéon, disons, le jour même du gala de Chamboré, on est bien d'accord. Et puis, je vais remercier les musiciens, je vais remercier Sébastien Salès, je vais remercier notre ami Carrara, et pas Émile Carrara, hein, pas Émile, c'est Alain Carrara, ça suffit, et Patrice Fleury. Voilà, merci à tous. Tu voulais donner le mot de la fin à notre ami Jean-Paul Pouget, oui. Le président du festival, oui. Et vous dire à l'avance qu'on finira par un joli morceau qui a été présenté ici dans cette superbe salle des fêtes en 1987 par notre ami aussi regretté Roger Sy, qui s'appelle L'étoile des troubadours. Absolument. Ici, dans cette salle des fêtes en 1987. Donc Jean-Paul, la parole pour finir. Eh bien merci, c'est très gentil de me donner la parole. L'association Chambré Village Accordéon est vraiment très heureuse de vous accueillir. On est un peu frustré de ne pas pouvoir faire ce gala, bien sûr, tout le monde le sait. J'ai régulièrement des amis au téléphone qui me disent leur frustration de ne pas pouvoir venir danser chez nous. Oui, mais on se l'est fait, le gala. Mais sur une idée de Bernard, cette matinée est très agréable. Et je suis vraiment très content de vous accueillir. Je vous remercie tous. Et je voudrais dire un petit mot sur Christian Péchel, si vous permettez. Tout est permis. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que Christian avait du caractère, c'est vrai. Et quand je l'ai présenté la dernière fois dans notre festival, j'ai dit ceci. J'ai dit, Christian a un papa corrézien et une maman bretonne. Comment voulez-vous qu'il ait bon caractère ? Et j'ai dit aussi, mais nous n'avons retenu que son talent, et du talent, il en avait beaucoup. Et je crois que c'est bien parce qu'il nous a laissé
beaucoup de morceaux qui vont continuer, qui vont perdurer au-delà de lui, et il nous manque déjà aujourd'hui. Donc merci à Christian, et un petit mot sur Ségurel, parce que Ségurel venait jouer régulièrement à l'Hôtel de France chez mes grands-parents dans les années 30, c'était assez régulier, et vous connaissez tous son anecdote avec Jos Baseli, parce qu'ils enregistraient à la même maison d'édition chez Odéon. Baseli avait entendu les morceaux de Ségurel le matin et il lui dit, ils sont retrouvés au bar, il lui dit, c'est sympa ce que vous faites, le folklore, tout ça, c'est sympathique. Et Jean lui répond, il dit, écoute, je fais moins de notes que toi, mais je les vends plus cher. Je ne connaissais pas, je connaissais pas l'anecdote. Mes chers amis, merci encore d'être là. Surtout Baseli, oui, en plus. Merci aux musiciens. Et je vous dis très certainement, en 2021, au mois d'octobre, j'espère qu'on pourra éditer notre festival de 2020, puisqu'il est reporté en 2021. Moi, je dis à samedi prochain, moi. Merci à tous. Et merci encore à tous les auditeurs et les youtubistes de notre ami de Mélodie Rama. Un petit coin de Brièvre, une étoile née pour toujours. C'est l'étoile des Molières, c'est l'étoile des Troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la Brièvre, c'est l'étoile des Troubadours. Si tu passes par la Corrèze, prends le chemin du bonheur. Tu longeras les falaises, tu sentiras en ton cœur que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des Troubadours. Combien de garçons, de filles se sont aimés sous ses cieux. Quand sous l'étoile qui brille, ils se cachent deux à deux. Adieu les soucis, les peines, viens danser si tu le veux. L'accordéon nous entraîne vers ce refrain merveilleux. Dans un petit coin de Brièvre, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des Molières, c'est l'étoile des Troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la Brièvre, c'est l'étoile des Troubadours. Chaque nuit, elle est à celle, notre étoile des Troubadours.